Si c'est les zèbres. Ah ouais. Eh ben oui. Ils sont pas tellement les zèbres. Les animaux d'Afrique. Ça, il y en a beaucoup par contre au Kenya. Ça, j'en ai vu beaucoup au Kenya. Ah, le zèbre, on le voit africain. Bien. Tu le vois le zèbre, Yo? Ouais, ouais, je le vois le zèbre. Ah merde, on le voit plus. Ici, ils ont foutu un amas de branches. Ah bah, c'est le foin là. Tu vois pas qu'il y a du foin devant pour pas qu'il s'envole. Hein? Et non, il y en a là aussi, regarde. C'est un zèbre. Fais-lui coucou. Pas les lions, c'est pas dangereux, ça, pour l'instant. Il est très beau, celui-là. Vous l'avez pris en photo? Parle-lui. Interdit, interdit. Ah bah, il y en a plein devant. Non, mais c'est interdit d'approcher. Ils sont devant, Lady. Regarde. Fais-le dans l'autre sens, ça sera plus joli au niveau des photos. Ah, voilà une femelle. Où ça? Même pas celle-là. Alors, si elle est toute noire, c'est une femelle. Non, les noirs, c'est les mâles. Noir et blanc. Hein? La réserve africaine des animaux. Non, mais pas noir, c'est gris et marron là. Qu'elle est comme. Qu'elle est pas pareille, qu'elle n'est pas la même couleur. C'est une personne comme un con. Ah, c'est joli ça là. Nama. Le truffe. Ah là, la femelle. Il me fout de l'herbe. Là, il y a, je vois des girafes là-bas. Ça, tu vois des girafes. En face, hein. Dans l'autre parc, on va y arriver. Les girafes, t'en as jamais vu toi encore, Yo? Ah oui, là. Ah. Toi, à la fenêtre, Sabine, tu verras mieux. Après, attends, viens. Ah, elle s'assoit. Elle a décidé de s'asseoir. Ils vendent de pas des œufs. Ouais. Ils très bon la couverture. Hein. Donc vous pouvez garder les fenêtres ouvertes. Bah, de toute façon, il y a le marron hein, quand on arrive au niveau. Bah oui, on sera pas ouvert comme ça. Ah oui, on voit les girafes. La girafe. Zarafa. Mais voilà, c'est là qu'il faut faire l'hôtel. Oui. Dans l'herbe. Tu lui tireras la langue pour voir si tu la tires et tu la verras. Et en plus, elle est longue. Hein. Elle peut se gratter le nez? Ouais, largement. Elle peut même se gratter la foufoune. Non, c'est le mal. Et vous avez pris la photo? Il n'y a pas de tigre. Il n'y en a pas de tigre. Il n'y a pas de tigre. Il n'y a pas de tigre. Il y en a un qui passe là. Hippopotame, buffle là. Et après, c'est que des. Hippopotame. Ah non, hippotrague. Qu'est-ce que c'est cet artiste? Tu fais comme Lio, tu lui lis le début du mot et après. Oui, oui. Non, mais ça c'est mon défaut. C'est quoi ça? C'est des biches? Ouais. Un des quatre qui avait marqué là. Oui, je vois que dalle. Regarde s'il y a des œufs. On ne les voit pas. Des œufs de biche? Oui. On va aller voir alors. C'est caché sous les branches. Je suis dans la vue avec un rose.
le lion là. Bah, encore, hein, on va faire une porte. Hein. C'est pas une merde comme ça. Si, si, elle est pareil. Non, mais ça, c'est bon pour les bovins. Tu crois? Oui. Oui. Ah, mais on est à l'entrée là. Ouais. Tu n'as pas vu, on est à l'entrée. Ah, la mante religieuse, t'as vu? Oui. Dans le rond-point. Oui. Parc des ours, parc. Ah, à gauche, la côte est à droite. Je sais pas si un ours irait chasser. Tu crois qu'elle va sortir dans le parc des lions là, qu'elle se fasse bouffer, qu'on filme. Comme ça, du coup, on ferait le buzz. Ça, je sais pas si c'est le nom de la vidéo. De quoi? T'as déjà mangé le lion? J'en ai pas mangé. Ça, c'est tout merci. Mais il faut que je remplace le bébé ou pas? Danger, ne pas arrêter. Un ours. Et... Oui, il y en a deux autres là-bas. Mais n'aie pas peur. Et il le laisse venir. Mais pourquoi la peur? Pourquoi il est dehors celui-là? Mais il dort, je vois, c'est bizarre. Il y a un autre là-bas sur les cailloux. Mais oui, mais ils sont derrière les trucs électriques. Lui, celui-là, il est de ce côté. Ouais. Parce que celui-là, il doit être malade, peut-être. Ou c'est un mec déguisé. Il a une jambe en l'air. Ça, c'est que les ours, là? On peut ouvrir, là, quand il n'y a pas de... Non, ferme. Non, t'as entendu ce qu'il a dit. D'ouvrir, hein. C'est voilà, 2 cm. Ah, voilà. C'est bon, là, comme ça. Les griffes, tu vas voir. Oui, mais bon, dès que j'en vois un qui arrive, t'as le temps quand même de lever. Hein. Bien sûr. Il ne surgit pas comme ça. Oui, bien sûr. Bon, Lyon. C'est sa couleur, l'espèce de V qu'il a dessous. Ouais, ouais. Non, c'est un colis décoratif. Non, je pense que c'est du foin. Ah non. Il est vautré comme moi. C'est Balou. C'est qui? Balou. Balou n'est pas comme ça. Le livre de la chaîne. Balou est gris. Mais oui, mais lui, il n'est pas gris. Il est noir. Oh, des flamants. Des flamants. Tous ces oiseaux-là. Le flamant rose. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Une ours là. Ah, une ours. Ah ben il vient. Il nous bouffe les pneus. C'est énorme. Hein. Ça va. Oui. La cantine est bonne. Sors et après il y a les lions, c'est ça? Oui. Le prochain c'est les lions. Pas peur et pas les lions. Bon ben quoi, c'est les gros chats. Miaou. Mais j'aime pas les lions. Et après on pourra faire un petit tour à la plage. À la plage? Mais t'as oui. Vu une plage. Mais il fait assez chaud, non? C'est ça. Mais quoi? Il fait assez chaud. En grande effet, ça va être horrible. Hein. C'est clair. Celui qui n'a pas la clim dans les voitures. Sans les fenêtres ouvertes. Mais celui-là, il fait la pause là-haut. C'est excellent. Ah oui, là-haut. C'est très charognard là, mais tu vois ce qu'il y a dessous. Eh ouais, la bouche et la faim. Quoi? T'as dit quoi? Mais je savais pas qu'ils avaient le V blanc là, comme ça, ça faisait... Ouais. Ouais, mais c'est... Il n'y avait pas marqué le nom, mais c'est un accoulier, non? Mort parce que tu vois, ils viennent toutes là, regarde, vers là.
Ah, lui, c'est joli, ça. Mais on l'avait vu il n'y avait pas longtemps. Ours du Tibet. C'est du Tibet ? Du Tibet. Bah, le Tibet, c'est pas... C'est pas en Afrique ? Regardez, c'est les oiseaux. Le Tibet, ça me plairait de le faire aussi, comme pays. Il y a plein de pays. Mais... Ah, mais lui, il est en quarantaine, en fait, lui. Comment il a fait pour monter jusqu'à là ? Ah oui, parce que lui, il peut pas passer. T'as vu, c'est trop cool. Il n'y a pas de trou. Oui, il nous faut ça. Oh, mais il peut sauter, non? Ah, il a tourné l'oreille, toi. Il est toujours... Je l'embête pas assez, non? Il n'a pas entendu. Si, il s'en fout, Royal, quoi. Il s'en fout, c'est tout. Il n'y est plus l'autre aussi. Mais terre. Peut-être qu'ils sont... Eh ben, il est là, il est là, là. Hein. Non, peut-être il était de ce côté. Oui, mais il est allé là, peut-être. T'entends? Peut-être qu'ils sont sourds. Ah, moi, non, il va se faire manger tout cru. Non, non, c'est pas sourd. Hein. Si ça a des oreilles, c'est pas sourd. Hein. Il y a des animaux qui n'ont pas d'oreilles. Ben oui, les serpents, du coup. Oui, voilà, les serpents, ouais. Oui, oui. Ils sont sourds. Une oreille interne. Petit. Il a une crinière de lion, lui. Et regarde, il a aussi un autre V. Ouais. Il est long tout ça. Oh, lui aussi, il a un autre V blanc. Là, là. Et oui, c'est la race. Hein. C'est comme ça, ils l'ont tous. Moi, j'adore les ours. Passé où alors celui qui était là? Ah, lui, regarde la voiture, t'as déjà vu un Logan comme ça? Non, non, non. Mais oui, mais je veux dire, elle a été... Ils ont la trafiqué. Elle a été transformée. Elle était coupée. Non, c'est pas sûr. Elle était coupée, oui. Ils en ont deux. Ouais. Maintenant, on va dans quel sens? On va là-bas, hein. C'est une petite porte, oui. Parc des Lions, en juillet. Là, il n'y a que des dangers, c'est là. Fermé les fenêtres. Il y a un côté danger, maman. Laisse ta fenêtre ouverte. Tu vois, ils peuvent venir, c'est jeudi, c'est pas nos bidons. Didi, ouvre ta fenêtre. Non, je respecte les consignes. Moi aussi. Ils doivent être là-bas parce qu'il y en a plein d'arrivées. Des mouettes. Attends. Ah non. Il n'y a pas de soleil, il y a des cruches. Allez, allez. Non, mais moi je regarde pas. Non. Mais tu vois rien avec ça. C'est vrai, quand tu es au safari au Kenya, toute la journée tu pars avec des petits véhicules. Mais alors c'est bien parce que c'est petit comme les minibus de 9 places. Hein, sauf que le toit se lève. Il se lève. Donc tu as ça où tu appuies comme ça, tu es debout. Ah ouais. Où tu peux rester assis, où tu te mets debout et tu t'appuies comme ça et tu regardes. Et des fois, je te dis, tu as des lions, mais à un mètre, à tout ça, quoi. Les crocodiles que tu vois devant toi, là. Ouais. C'est genre. Il y a des crocodiles dans fois, cette sorti eau. Juste au bout de l'hôtel, parce que tu as des hôtels, voilà, mais qui sont grillagés tout autour. Et moi, je vais marcher un petit peu, mais dans l'hôtel, tu vois. Et il y avait une petite rivière en bas. Et je m'allonge avec la serviette pour bronzer. Et parce que les safaris, tu en as le matin très tôt. À 6h du matin, t'en as, parce que c'est le moment où les animaux ils mangent. T'en as le soir, t'en as l'après-midi. Alors, en force, bon, des fois, tu fais pas tout. Hein. Tu dis, oh, c'est bon, j'en ai fait un ce matin, je vais pas. Bon, bref. Donc, t'as le droit de rester à la. Moi, je voulais rester à l'eau. Celui du midi, j'ai pas voulu le faire, là. Je suis allé m'étendre sur la serviette. Et puis. J'avais une barquette, une boîte de barquette lue, je m'en rappellerai toujours. Et il y a un singe qui arrive, mais tu sais, les singes qui se posent comme ça, avec des trucs fluo, là, aux couilles, là, ou je sais pas quoi, là. Et puis j'étais allongé, bon, j'en vois un au loin. Et c'était pas un petit, hein. Quand je te dis plus costaud que la petite, hein. Un gros truc, quoi.
Et au bout d'un moment, j'en vois un deuxième. Et j'en vois un troisième. Et au fur et à mesure, mais on se serait cru dans le jeu 1, 2, 3 soleil. Parce que je me rallongeais, je me relevais, hop, ils avaient avancé. Et quand moi je me relevais, ils ne bougeaient plus. Ah ouais. Et puis 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, j'ai dit là, je ne sais pas pourquoi je sens le danger quoi. J'étais tout seul. Hein. Et Marco est allé faire le safari. Moi je lui dis non, je veux profiter un peu du soleil quoi. Et du coup, putain, ils se rapprochent. Ils étaient, mais là, autour quoi. Alors sans bruit, tout doucement, tu sais, tu fais pas le beau là. J'ai dit, je vais pas faire de gestes brusques. Je me lève. Je laisse 2-3 gâteaux là où je suis pour qu'ils me suivent pas, tu sais, ouais. Par terre. Et je prends ma serviette doucement, je pars. Bon, dès que je suis parti, boum, ils ont sauté sur la bouffe. Parce que j'ai dit, tu sais, les singes, des fois, ça peut être. Ça peut être dangereux. Hein. Ferme les vitres, toi. Non, mais où tu vois là, le lion? Là-bas. Ouais, ça va quand même. C'est pas la peine de critiquer l'autre qu'elle sort de la voiture. Ben sortir la voiture et une vitre, il y a un lion qui arrive, tu fais ça en 2 secondes quand même. Et du moins t'as juste un petit écart. Après tu te donnes la règle de sécurité, heureusement, il faut pas que les enfants vont se mettre dehors en train de bouger les mains ou quoi que ce soit. On va jouer au ballon l'idée. T'as bien vu le gars à l'entrée, la vitre était ouverte même. Hein? Il ne faut pas faire de gestes brusques, et puis effectivement, si tu vois s'approcher, tu fermes. Ah, il y a des trucs dans les arbres. C'est quoi les trucs blancs là? Et pareil, les crocodiles. Après, je me suis aperçu que là où je dormais, enfin, là où je m'étais reposé, la petite rivière qui était voilà, un peu plus loin que le bord de l'eau, là, tu vois, en contrebas, ça descendait un tout petit peu. Bon. Et oh, personne ne te dit rien. Eh bien non, personne ne m'avait rien dit. Et j'étais toujours dans l'enceinte de l'hôtel, quoi. Il y avait un petit sentier exprès avec des dalles béton. C'est pas dans le même pays. Hein. Ça, le safari au Kenya, ça c'est super. Et tous les soirs, tu arrives dans des hôtels, dans des endroits comme ça, là où il y a un hôtel paradisiaque avec la piscine et tout. Il y a les crocodiles là-dedans ? Ben non, à la rivière, ouais. Ça m'a impressionné. Comme quand tu manges, des fois tu manges à l'extérieur, les restaurants, et c'est avec des trucs en bois et des pailles là, tu sais, très. Non, en fait, c'était. Regarde les lions, les dit. Tu les vois? Mais j'ai le panneau, attention de danger juste à côté. J'avais fait de Nairobi à Mombasa. Qu'à Nairobi, c'est super parce que c'est un restaurant où tu peux goûter toutes les viandes qui existent. Et ah tu dois le mettre le drapeau quand tu es rassasié. T'as sur la table un drapeau qui est couché, je crois, et quand tu le lèves, les serveurs ne veulent plus. Parce qu'à tout moment, ils passent avec des gros morceaux de viande, et là ils te disent ça c'est du zèbre, ça c'est du. Alors je sais plus toutes les viandes que j'ai goûtées, mais je sais qu'il y a énormément de viande parce que c'est derrière les gars. Ah, oui. Il bouge. Hein. Ils sont tellement nourris et habitués que. Bon, après, t'es pas à l'abri de l'accident, bien sûr. Ah, il y en a un qui regarde là. Il y a un gros là-bas. Ouais. Sa tête là. Ah, c'est le roi lion en plus. Mais avant de partir, on pourra refaire un tour. Peut-être aller un peu plus vite pour voir, parce que des fois, en fin d'après-midi, hein, on peut les voir plus facilement, tu vois, pour avoir une deuxième vision. Je suppose qu'on a le droit de refaire une deuxième fois un tour, une fois qu'on a payé, une fois qu'on a fait le truc à pied. Bon, là, il y en a pas mal quand même. Hein. Ouais. Imagine si tu les as à 1 mètre, là, devant toi, là. Moi, je les ai vus comme ça, tout le tour. Ils sont arrivés. C'est pour ça qu'on a fait les rats tout à l'heure. Allez, c'est bon. Il y a beaucoup de voitures électriques quand même.